Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui portera sur comment tracer un axe. Donc, comment tracer un axe, que ce soit pour un n'importe quel genre de numéro de mathématiques, comment tracer un axe? Un axe, premièrement, c'est une ligne. Une ligne qui a un sens. Il doit y avoir une flèche qui indique le sens. Ça va être le sens dans lequel les chiffres vont être croissants. Ensuite, vous devez savoir votre axe va représenter quoi comme données. Donc, par exemple, supposons que je veux représenter les données suivantes. Donc, je veux, je ne sais pas moi, tiens, mon axe va représenter des données qui vont de moins 3. Donc, par exemple, je vais représenter moins 3, moins 2, 4, 5, 9. Quelle est l'étendue? Donc, mes données vont de combien jusqu'à combien? Ils vont de moins 3 jusqu'à 9. Et là, il faut se poser la question. Je vais devoir faire des bonds de combien? Je vais devoir faire combien de lignes, etc. Ce que je vous propose, c'est de ne pas trop vous poser de questions au début et de tout simplement faire vos graduations. Donc, tu prends ta règle. Oups, je vais l'inverser. Vous prenez votre règle, vous la mettez sur votre ligne et par exemple, à chaque centimètre, vous tracez un point. Donc, je suis ici et à chaque centimètre, je vais tracer un trait qui va être mes graduations. Très important, vos graduations sur un axe doivent être à égale distance. Toujours, toujours, toujours à égale distance. Moi, j'ai choisi de faire à chaque centimètre. Vous pouvez faire des graduations à chaque 0,5 cm. C'est comme vous voulez. Et une fois qu'on a tracé ça, on se pose la question. J'ai combien de petites lignes? J'ai combien de petites graduations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15 petites lignes. Est-ce que 15 petites lignes, ça va être assez pour faire moins 3, moins 2, moins 1, 0, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, on voit que si je fais des bonds de 1, ça va être assez pour couvrir toutes mes données. Donc là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Mais comme c'est des bonds de 1, c'est super simple. Je vais écrire moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai décidé de faire des bonds de 1 et c'est assez pour couvrir toutes mes données. Et là, je voulais représenter les chiffres ici. Donc, à moins 3, je vais mettre un point. À moins 2, je vais mettre un point. À 4, je vais mettre un point. À 5, je vais mettre un point. Et à 9, je vais mettre un point. Maintenant, est-ce que ça se peut que ce qu'on veut représenter comme données, on ne peut pas le représenter avec des bonds de 1. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Donc, si j'ai ma ligne, et on va dire que je veux représenter des données qui vont de 0 jusqu'à 55 000. Donc, on va dire que je vais représenter des données qui sont 0, 7500, 20000, 45000 et 55000. Je veux représenter ça. Là, je vais m'arranger pour que ma règle soit plus grosse, pour qu'elle ressemble un peu plus à l'avant. Donc, on va dire que j'ai ma règle. Là, j'ai ma grosse règle. Tiens, je suis comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, je vais faire, par exemple, des bonds à chaque centimètre. Donc, on voit ici, à chaque centimètre, je fais un trait. Là, si vous regardez, est-ce que j'ai réfléchi avant de faire mes lignes? Non. Je n'ai pas besoin de savoir, je vais faire des bonds de combien pour tout de suite. Je commence par tracer mes graduations égales.
Bon, on va dire que j'en ai une dernière ici. Elle n'est pas très belle, mais bon, c'est pas trop grave. Tiens, je peux même continuer ma ligne et ma flèche si je veux. Oh, non, je ne vais même pas la mettre. Je ne vais pas la mettre, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et là, je me dis, est-ce que j'ai assez de lignes? Est-ce que je pourrais en mettre plus? Oui, je vais mettre des lignes à chaque 0,5 cm. Je trouve que ça va être un petit peu plus beau. Vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus. Mais je trouve que ça va rajouter un peu plus de précision. Pardon si j'ai un peu de difficulté. C'est le programme qui est comme ça. Ah, là, ça va mieux. Et finalement, là. Et là. Donc, si vous regardez, dans cet exemple, j'ai mis des bons à chaque 0,5 cm. Et là, on peut se poser la question, j'ai combien de graduations, combien de petites lignes j'ai tracées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, j'ai 18 bons possibles. Je sais déjà que le premier risque d'être 0, parce que je n'ai pas besoin d'aller en bas de 0. Et là, je me pose la question. Okay. Et là, je me pose la question. Comment... Oups. Quels sont les bons que je vais avoir besoin? Si je fais des bons de 10... Ça va faire 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. C'est sûr que je ne me rends pas à 55 000. Si je fais des bons de 1000, ça va donner 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 14000, 13000, 14000. Je ne me rendrai pas à 55 000. Donc, si je fais 18 bons de, on va dire, 5000. Ça va me donner 90 000. Donc, vous pouvez le calculer, là. Prenez votre calculatrice. Calculatrice. 18 bons de 5 000. Ça va me donner 90 000. Donc, si je fais des bons de 5 000, ça va être assez pour me rendre jusqu'à mon 90 000. Je pourrais faire quoi aussi? 18 bons... de 4000. Si je fais 18 bons de 4000, ça va me rendre jusqu'à 72 000. Mais là, des histoires de bons, on peut être un peu plus intelligent que ça. Là, j'ai utilisé ma calculatrice juste pour savoir 18 fois 5 000, ça donnerait combien? 18 fois 4 000, ça donnerait combien? Pour savoir si je peux me rendre jusqu'à 55 000. Mais si je fais des bons de 5 000, ça va me donner 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, ainsi de suite. Ça veut dire que mon 0, mon 20 000, mon 45 000, mon 55 000, tous ces nombres vont être directement sur mes graduations parce que c'est des bons de 5 000. Si je fais des bons de 4 000, genre mon 0, genre mon 20 000. Mon 45 000 ne sera pas directement un bon de 4 000. Mon 55 000 ne sera pas directement un bon de 4 000. Mon 7 500 ne sera pas directement un bon de 4 000. Donc, on voit que selon la graduation que je choisis, il y a certains nombres qui vont arriver juste et d'autres non. Je préfère 18 bons de 3 300, par exemple. Mais est-ce que ça me donnerait des bons justes où toutes mes valeurs seraient juste sur mes graduations? Pas vraiment. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est de prendre des bons qui vont avoir des valeurs assez justes et qui vont être assez grandes pour vous rendre jusqu'à votre nom. Donc, je vais faire des bons de 5000. Est-ce que je suis obligé d'écrire à chaque ligne que c'est des bons de 5000? Non. Je peux seulement l'écrire à chaque deux lignes. Donc, si je fais 0, 5000, ici, je me retrouve avec 10 000. 15 000. Ici, je me retrouve avec 20 000. 25 000. Ici, j'ai 30 000. 35 000. Ici, j'ai 40 000. 45 000. Ici, j'ai 50 000. 55 000. Ici, j'ai 60 000.
70 000, et ainsi de suite. Je peux même marquer le dernier, 80. Et là, finalement, les points, je dois mettre 0, qui est ici. Je dois mettre 7500. Donc, si ici j'ai 5000, ici j'ai 10 000, 7500 c'est entre les deux. Ensuite, je dois mettre 20 000, 20 000 c'est ici. Je dois mettre 45 000, 45 000 c'est ici. Et je dois mettre 55 000, 55 000 c'est ici. L'important quand vous tracez votre axe, c'est que au moins plus que la moitié de l'axe doit être utilisé. Si vous avez un axe, par exemple, j'ai juste cet axe-là, et vous avez toutes vos données ici, c'est que vous avez mal tracé votre axe. Donc, au moins la moitié doit être utilisée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur comment tracer les axes. On se verra dans le prochain vidéo.